très probé pour le compte du département du Plateau. C'est par ton nouveau qui a accueilli ce jeudi 20 juin 2024 le secrétaire exécutif de l'Association des promoteurs de carrières et mines du Bénin dans le cadre de l'atelier de sensibilisation qu'elle a organisé au profit des artisans miniers du département de l'Ouébé. Donc, nous mettons les deux belles oiseaux qui ont haï, donc nous mettons les deux. Les faux, c'est une culture. Donc, maintenant, les ménages, ils vont. Dès que nous sommes grands oiseaux, nous mettons. Maintenant, donc. Une initiative saluée par les autorités départementales de l'OMI. C'est une bonne initiative, chose, parce que tout le temps, nous, on va vers les exploitants, on leur dit, vous devez faire telle chose, vous devez faire telle chose, mais en retour, il faut qu'il y ait des gens quand même qui puissent leur dire, mais si vous faites tant, en retour, vous avez droit à tant, vous pouvez réclamer qu'on vous améliore telle condition de ce que vous faites dans votre travail. Bon, ça aussi, ça permet aux exploitants de se retrouver de temps en temps, de parler des difficultés de leur secteur. C'est bien. Hein, je leur conseille même vivement qu'ils intègrent ce groupe. Ça leur permettra donc de poser le problème dans l'ensemble. Et entre eux, professionnels, ils peuvent aussi résoudre les difficultés qu'ils ont. Il y a aussi le partage d'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, quand on est isolé, on croit qu'on fait bien. Alors qu'en réalité, s'enfermer dans un métier, ce n'est pas la norme. Pour nous, cette association nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc, en retour, nous leur aussi promettons, chaque fois s'ils ont besoin de discuter avec les exploitants, il n'y a pas de problème, on est prêt à communiquer, à convoquer une réunion. Et ils viennent pour échanger. Nous aussi, on profitera de ça pour y passer notre message. Les artisans se réjouissent de l'initiative et prennent des engagements à se mettre en groupement pour intégrer dans un bref délai la PCM Bénin. Et à partir d'aujourd'hui, nous avions compris beaucoup de choses dans notre secteur d'activité. Et désormais, je crois qu'on peut faire route avec l'association. C'est normal qu'on devienne membre. Il n'y a pas de solution à ce niveau. Nous allons sensibiliser nos membres et puis désormais on sera avec la PCM. Vraiment, aujourd'hui, je suis tellement content de la réunion de la PCM qu'on avait faite. Parce que si on savait qu'il y a cette association avant, il y a de cela 5 à 6 ans comme ça, ce serait bon. On va faire tout possible pour rentrer dans cette association. Tellement content de ça. Et dès là où nous sommes, je vais commencer par appeler le président, le secrétaire général de l'association. On va tellement participer, on devait adhérer. Même tous les exploitants de Bono sont contents de ça. C'est une immense joie pour nous tous qui sommes venus à la séance. Parce que nous étions dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, il nous a éclairés. Après le retour, l'association de chaque commune va se réunir pour que ce qu'on a eu aujourd'hui, on va le restaurer. Les mouébés viennent tard pour les aimer pour nous prendre tard. Nous avons eu des mouébés. Nous avons eu des mouébés. Nous avons eu des tous les jeudis, nous nous réunions pour l'association de Pévigile. Donc on a tout le même de couvrir wale, mais à moi c'est du tout bien. Donc je suis mon corps beaucoup. Je vais bien mais encore directement des wafidi. Je suis dans la joie parce que ce que nous avons entendu aujourd'hui nous a animé parce que on travaillait ensemble avant, on ne connaît rien. Maintenant APCM nous a informé et nous et moi a adhéré leur association. Dès mon départ d'ici maintenant, je vais informer mes autres qui ne sont pas arrivés, même qui sont arrivés, même de les forcer. Donc, on sera urgent pour pouvoir adhérer à leur association. L'objectif de cet atelier est atteint. Se flotte les mains le secrétaire exécutif. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils sont conscients qu'il faut appliquer les tests, qu'il faut respecter les dispositions. Mais en même temps, qu'on puisse les associer pour écouter leurs préoccupations et les aider à mieux faire. J'ai aussi remarqué leur engagement à collaborer avec la PCM, à donc adhérer à l'association. Et ça, c'est, on a pris donc
langue, pour ainsi dire, pour qu'ils puissent nous contacter d'ici là. D'abord pour l'organisation au niveau des associations, de façon à avoir une association départementale fonctionnelle. Et ensuite, les formalités d'adhésion à la PCM. Et après, le reste suivra. Donc, je peux dire que dans l'ensemble, que ce soit dans le plateau ou dans l'UEME, les choses se sont très bien passées. On a eu droit à des artisans engagés, prêts à adhérer à la PCM Bénin pour qu'on puisse travailler pour l'intérêt du secteur minier. Passer l'étape de ce département, les sensibilisations se poursuivront dans le département du Mondokoufo courant le mois d'août de cette année.